retour ici à Manche. Et puis Idao qui va effectuer sa réapparition. Lui qui avait fait très forte impression l'année dernière ici à plusieurs reprises. Allez, départ dans quelques secondes. Il volte. Et ça a l'air bon avec Guillermo Sport, Eden Texas, Buzz Graal qui se sont montrés les plus rapides. Mais les 25 mètres sont revenus très rapidement hein, avec Elatori, notamment en dedans. Nous avons également Domingo Bello qui est au contact des premiers. Alors que Enatov et Dénicheur du Vif se retrouvent pour l'instant en retraite. À Cadeau de la Vie également, le numéro 5 qui essaie de faire mouvement et qui se rapproche complètement à l'extérieur en troisième épaisseur pour tenter de venir rejoindre le groupe de tête. Guillermo Sport, Eden Texas ensemble et Cadeau de la Vie qui se rapproche à l'extérieur avec Marc-André Beauvais. Buzz Graal est dans le sillage des premiers, devant également Dénicheur du Vif qui est là au contact avec Elatori qui est à la colle. Bicoul Deb qui est enfermé, c'est la casaque jaune et rouge avec pour l'instant eh bien Domingo Bello qui est à l'arrière-garde en compagnie également de Natov et Alcide Rock, le numéro 4 qui a été repris comme l'autre jour et qui ferme la marche. Eden Texas avec Loris Garcia aux commandes du favori, le fils de Brillantissime. C'est le seul 6 ans au départ de cette épreuve. Il contrôle la situation pour l'instant pour passer devant les tribunes avec Cadeau de la Vie qui est à sa hauteur. Guillermo Sport est en 3e position. Buzz Graal est quatrième. On a vu une petite faute hein, en retrait de Bicoul Deb. Alors que le long de la corde, eh bien, trotte le numéro 1 Elatori avec Dénicheur du Vif qui est dans le dos de Buzz Graal. Avec un peu plus loin Domingo Bello ainsi que le numéro 4 Alcide Rock. Ils viennent de passer devant les tribunes. Encore un tour complet à parcourir avec Loris Garcia qui mène la danse avec Eden Texas. Cadeau de la Vie est à sa hauteur. Buzz Graal qui est juste sur ses talons avec Guillermo Sport. C'est la casaque blanche qui est à la corde avec dans son sillage Elatori. Pendant ce temps, eh bien, Dénicheur du Vif suit très librement avec Xavier Beauvais. Il est à mi-peloton devant Domingo Bello avec Alcide Rock qui est un petit peu plus loin. Bicoul Deb est à l'arrière en compagnie également du numéro 2 Enatov. Direction bientôt le dernier kilomètre. Ça ne bouge pas. Ils vont deux par deux avec Eden Texas qui a l'avantage. Cadeau de la Vie qui est à sa hauteur avec Guillermo Sport et Buzz Graal qui sont juste derrière en embuscade. Et Elatori est pour l'instant 5e devant Dénicheur du Vif qui est 6e avec le numéro 7 Domingo Bello qui est suivi encore par le 4 Alcide Rock. Le milieu de la ligne opposée, Eden Texas qui est en tête depuis le départ avec à son extérieur toujours Cadeau de la Vie. Guillermo Sport qui est en dedans avec Buzz Graal qui est 4e, Dénicheur du Vif est 6e, suivi encore par le numéro 1 Elatori. Dernier tournant, on a vu également Alcide Rock qui s'est décalé, numéro 4 avec Marco Stefani qui tente de passer à l'offensive mais qui doit quand même négocier le tournant final en 3e épaisseur avec Enatov qui est sur ses talons. Bientôt l'entrée de la dernière ligne droite avec Eden Texas qui a l'avantage, sérieusement inquiété par Cadeau de la Vie avec Buzz Graal qui est en 3e position. Dénicheur de Vif venant un petit peu plus loin d'avant encore Alcide Rock. Entrée de la dernière ligne droite avec Eden Texas qui a du mal. Cadeau de la Vie maintenant qui prend l'avantage et Buzz Graal qui est lancé à son tour à l'extérieur avec Dénicheur de Vif également qui passe à l'offensive. À l'extérieur, le numéro 9, Buzz Graal qui prend l'avantage face à Cadeau de la Vie avec Alcide Rock. Dénicheur du Vif également qui se défend bien. Dénicheur du Vif, Xavier Beauvais qui vient attaquer Amélie Beauvais avec Buzz Graal. Buzz Graal, Dénicheur du Vif, Buzz Graal qui tente de repartir face à l'attaque de Dénicheur du Vif alors que Cadeau de la Vie est en 3e position. C'est Buzz Graal qui va s'imposer face à Dénicheur du Vif. La 3e place pour Cadeau de la Vie et la 4e en retrait, peut-être sauvegardée par le numéro 8, Eden Texas. Voilà, Buzz Graal, le numéro 9, qui remporte cette épreuve, un parcours sur mesure. Il est parvenu à repousser jusqu'au bout l'attaque du numéro 6, Dénicheur du Vif. Cadeau de la Ville, numéro 5, termine 3e. Et la 4e place, sans doute conservée par le numéro 8, Eden Texas, aux dépens de Domingo Bello. Le numéro 7, 9, 6, 5 et 8, c'est apparemment l'arrivée chiffrée de cette compétition. Buzz Graal qui s'est révélé intouchable dans les 250 derniers mètres, malgré l'effort de Dénicheur du Vif. Cadeau de la Vie qui confirme sa bonne prestation de l'autre jour, bien que dominé, après s'être retrouvé assez vite en dehors de Eden Texas, ce dernier se montrant tout de même un tantinet décevant et devant se contenter en net retrait de la 4e place, tout cela sous réserve de photographie. Voilà, succès d'Amélie Beauvais avec Buzz Graal, retour dans un quart d'heure pour la 4e et dernière.